Bonjour à tous, pour l'anniversaire de mon conjoint, j'ai décidé de m'offrir un petit séjour dans un hôtel spa 5 étoiles sur l'île. On vient d'arriver, je vais nous faire un petit room tour pour qu'on puisse découvrir ensemble ce lieu qui va être notre lieu de vie pour 48 heures. Et on va commencer tout de suite par la chambre parentale. Donc, on occupe deux chambres, puisque nous sommes quatre. Non, on a fait le choix de prendre deux. Oh là, vous voyez flou. Alors, on va attendre que ça fasse la mise au point. Voilà. Donc là, on est dans l'entrée de la chambre 405. Donc, petit room tour. Il y a de la moquette partout. Hop, hop, hop. Donc, on rentre tout de suite à droite. On a... Ce qui est pas mal, on a une penderie. Oh, c'est flou. Une penderie avec deux grands miroirs. Ça, c'est une excellente chose. À l'intérieur, il y a le nécessaire pour faire du repassage. Planche à repasser et... C'est flou. Hey. Planche à repasser et fer à repasser. Il y a également des cintres. De quoi dormir la nuit, de quoi avoir si on a froid. Il y a des petites choses pour pouvoir se couvrir. De l'autre côté, on a également de quoi faire avec le petit coffre, le petit kit de bienvenue. Donc ça, ça nous appartient, ça m'appartient. Ça, c'est le petit kit de bienvenue avec le petit-déj, si, enfin des choses pour le petit-déj si vous souhaitez un petit-déj ou si vous souhaitez vous faire un thé ou un café quand vous arrivez. Voilà, voilà. Donc, une entrée assez spacieuse, hein, je veux dire, un petit vestibule assez spacieux. Là, c'est la porte pour la deuxième chambre, mais on va le voir tout à l'heure. Donc là, c'est le couloir qui mène à la chambre parentale. Première porte à droite, des toilettes, hein, ça peut être pratique, les toilettes, hein, pendant le week-end. Voilà. Enfin, ça peut être pratique, évidemment que ça va être pratique, hein, c'est de l'humour. Un tableau qui est vraiment magnifique, je ne sais pas de qui il est, mais il est très beau. Donc l'avantage avec l'Ermitage Gantois, c'est que vous avez vous avez tout ce qui est tableau, des peintures, on va pouvoir voir ça un peu plus tard, dans tout l'hôtel, et l'hôtel est vraiment magnifique. Donc c'est une ancienne bâtisse, et je vais vous en raconter l'histoire un peu plus tard. Donc là, on est dans la salle de bain. Donc, salle de bain, j'ai de l'imitation. Ça ressemble à du marbre, hein. Je ne sais pas si c'est du marbre, mais c'est bon. Avec. Ouh, c'est tourne. Avec une baignoire. Alors, je ne sais pas si vous la voyez, mais. Baignoire pour pouvoir se relaxer. Hop, la partie douche. Donc bien sûr, les serviettes sont fournies avec la chambre, vasque unique. Et l'avantage dans les 5 étoiles, c'est que c'est pas du plastique, c'est des vrais verres en verre. Et ça, ça fait plaisir. C'est parfait. Là aussi, petit kit de bienvenue avec des petits, je suppose que c'est des petits shampoings. Hop. Des petits shampoings, des petites crèmes, des petits disques démaquillants. Parfait. Avec le petit peignoir, et les petits chaussons. Ils ont mis les petits chaussons à l'effigie de leur spa, hein, ce qui est normal. Donc ils vous fournissent également des peignoirs. J'espère qu'ils seront assez grands pour Bibi. On va passer à la chambre parentale, qui est, ma foi, très jolie, hein. Un bardage bois, un lit qui doit à mon avis faire 2,40 sur 2,40. La télévision dans la chambre, c'était pas indispensable, mais ça fait toujours plaisir. Un petit secrétaire pour pouvoir faire son petit courrier éventuellement si vous avez du courrier à faire. Alors,
là, vous avez le bar, qui est juste en dessous du petit secrétaire, avec... Oh, ils ont pensé à tout. Avec le petit ouvre-boîte. Hop. Voilà. Donc, chambre petite, mais ma foi... pas désagréable, avec là aussi un petit kit de bienvenue. On verra plus tard ce que c'est, mais bon, ça ressemble à des friandises. On verra plus tard. Alors, on va passer, on va éteindre les lumières. Hein. On va passer à la deuxième chambre. Donc là, c'est des chambres communicantes. Donc là, je vous rappelle, c'est la chambre parentale. Hop. Si je fais ça, ça ira mieux. Là, on va passer dans la chambre des filles. Donc là aussi, hein, ça se présente de la même manière. Sur la droite, vous avez... Coucou! Vous avez donc la penderie avec exactement la même chose. Vous avez la table à repasser et les fers à repasser. Il y a un petit couloir. La première à droite, c'est les toilettes. Là aussi, identique aux autres. Ensuite, la porte d'après, c'est la salle de bain. Hop, par contre, là, dans la... pour les filles, c'est une douche. Une douche à l'italienne. Bon, pas très bien. Bon, douche à l'italienne, ça ira très bien. Là aussi, il y a peignoir, serviette, le kit de bienvenue. Ah, là, il y a des savons. Je suis pas sûre qu'il y ait des savons de l'autre côté. Bon. On verra bien. Mouchoir éventuellement, si besoin, pendant que vous vous maquillez. Il y a le miroir, le sèche-cheveux. Voilà, c'est plutôt bien agencé et bien pensé. Et là, dans la chambre des filles, donc on retrouve la même chose. On retrouve une chambre avec une télévision, un grand lit 2 mètres sur 2 mètres. Des petites tables de chevet sur chaque lit. Elle me semble un peu plus petite, par contre, cette chambre, j'ai l'impression. C'est peut-être qu'une impression, mais j'ai l'impression. Et là, ils ont installé le lit bébé. Donc, c'est pour la petite. Il y a la lumière qui a pété. Alors, donc, je vous ai fait le petit room tour. Là, je vais m'apprêter à aller rejoindre mon conjoint et mes enfants pour qu'on puisse prendre un verre au bar. Et puis, on se retrouve tout à l'heure. À toutes.
Thank you.